Fight very hard. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode sur Euro Truck Simulator. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal roulé ma bosse. Enfin, 6453 km, c'est déjà pas trop mal. J'ai fait également... Alors, attendez, si je peux vous montrer ça. J'ai fait 12 livraisons. Et j'ai également augmenté... Non, c'est pas là-dedans. Aptitude, voilà. Et je suis au niveau 6, donc du coup, j'ai passé toutes les formations. Alors, dans le premier épisode, j'avais dit que je voulais m'arrêter juste avant d'acheter le camion. Et depuis, on a fait... Oula, petit bug. Et du coup, on a fait un peu de multi depuis. Je voulais commencer avec cette carrière-là. Et vu le nombre d'abrutis qu'il y a encore pour vous rentrer dedans, du coup, on a laissé tomber. Enfin, j'ai laissé tomber. J'ai switché sur mon second profil. Attendez, je suis à Paris. T'as pas plus le coup, parce que ça me saoule. Qu'est-ce que je vais y prendre? Paris-Reims, ouais, c'est une petite course comme ça. Bon, on va se faire une petite course tranquille. Oui, alors je disais. J'ai switché de profil parce que je me faisais encore rentrer dedans et du coup j'allais pas aller bien loin. Ah, du coup, comme vous pouvez le voir, je suis à 406 233, tout simplement parce que j'ai fait les prêts. Moi, du coup, je vais en profiter pour voilà, je me suis trompé. Ah, du coup, je vais en profiter pour améliorer mon garage déjà. Toc. Voilà. Et on est encore à 226 000, je vais peut-être pouvoir... What? Ah, du coup, il m'a remis là. Il m'a mis où? Non, je suis toujours là, c'est bon. Je vais en profiter pour acheter un ou deux camions, je pense. Bah, pas maintenant, vu que je suis à Paris. Faudra que je regarde tout ça. Ah, du coup, comme vous pouvez le voir, je suis en boîte manuelle. J'aime autant faire comme ça, tout simplement parce que ça m'intéresse un peu plus de jouer comme ça. Sinon, toujours rester appuyé sur Z, au bout d'un moment, c'est la misère. Ça me fatigue, on va dire. Allez, c'est bon, je passe quand même. Allez, vas-y, prends ton amende. Hey, avance toi. Or, le Scania que j'ai acheté, c'est le tout premier Scania, hein. De toute façon, que dans le magasin que vous achetez le premier Scania ou le dernier, quand vous l'avez vraiment amélioré à fond, ça revient à la même chose, hein. Il fera 730 chevaux, il n'y a rien qui changera. Je crois que y a chez... Allez, vas-y, c'est bon. Je crois que chez Mercedes, vous en avez deux différents, il me semble, si je me trompe pas. Les autres, je sais pas, j'ai pas dû essayer les autres encore, puisque j'ai tourné que chez Mercedes sur mon autre partie. C'est quelle est la charrette? Du coup, je peux pas vous dire si vous en avez des autres. Si, pardon. Faut que j'arrête de boire. Si chez les autres concurrents, on va dire, vous avez plusieurs sortes de camions, ou si vous en avez qu'un. Je vais pas y arriver avec ma manœuvre là.
Voilà, allez, c'est bon, on est parti. D'accord, non, pas encore. Ça y est. J'ai du mal de faire tout à la fois. Hein. À la manette, ça va largement mieux, je pense, parce que là, j'ai bon bah Z, Z pour avancer, S pour reculer, D pour aller à droite et puis Q pour aller à gauche. Bon, d'accord. Bravo. Oh, les fails. Allez, avance quand même, c'est pas grave. Oui, donc j'ai déjà ça pour avancer. Ensuite, pour changer de vitesse, c'est plus et moins du numpad. Je l'ai programmé comme ça. J'ai les clignotants, un du numpad pour la gauche, 3 pour la droite. J'ai les warnings, celle de les essuie-glaces CP, enfin, etc. Il y a au moins 15 touches, je pense, à utiliser à peu près, plus la souris. Donc, j'arrive pas trop à m'en sortir entre tout ça. Donc bon, c'est pas grave, ça fera 2-3 fails comme ça pour pour les bêtisiers qui vont venir. Donc pour le. J'en reviens au deuxième épisode quand on a fait du multi avec Gigi, Cédric et Teshan. Je pense en refaire avec eux, franchement on a bien rigolé, même si on a fait plus les cons qu'autre chose, vu qu'il n'y a que Teshan qui a réussi à amener sa cargaison entière à destination. Nous on a fait un peu les cons, il n'y en a pas une qui arrive en entière. Surtout moi j'ai pas compris pourquoi, vu que j'étais arrêté au milieu du. J'étais arrêté sur la place du garage et puis je me suis retrouvé à 100% de dégâts alors que normalement c'est censé être sans collision. Et du coup j'avais. Bon j'avais pas les nerfs, je m'en fous hein, vu qu'on a fait ça pour rigoler, mais je sais pas si vous avez remarqué aussi, je suis arrivé à 2 500 000 dessus. C'est ouais, c'est à cause du. Des autres que vous croisez qui roulent en sens inverse, quand ils vous rentrent dedans, ça vous donne des sous. Voilà, tout simplement. Alors, je trouve ça pas mal d'à côté, mais c'est 2 millions, c'est un peu abusé. Et surtout Thor, qu'on a touché 12, lui, il a touché 12 millions en se faisant taper dedans. Bon, après, ça vous profite, donc tant mieux. Bon, va falloir que j'améliore dès que je change de niveau ce Scania parce qu'il avance pas bien. Allez, avance. De toute façon, je risque rien avec le radar. Faut déjà que j'atteigne 90 et ça, c'est déjà pas facile. En ce qui concerne les épisodes à venir, j'ai mon épisode fail que je vous avais parlé sur farming à vous publier. De toute façon, celui-là, il est déjà upload, donc je pense que je vais vous le publier très bientôt. J'ai également le troisième épisode sur farming qui est prêt. Je pense que je vais le découper en deux parties parce qu'il fait plus de 40 minutes, je crois, 45 minutes. Donc je pense que je vais le découper en deux parties, ce sera plus simple. Sur cet épisode-là, et même maintenant, j'ai un bug sur la partie. Pardon. J'ai un bug sur la partie, c'est-à-dire que il arrive des moments où ça me le fait 3 ou 4 fois de suite. Je vais essayer de pas cabaner. Ça me le fait 3 ou 4 fois de suite, de temps en temps. Je perds le contrôle de tout en fait. C'est-à-dire que vous avez à gauche de votre écran, d'habitude, vous avez les commandes lever, baisser, enfin V, X et tout ça. Elles vont se mettre en double, voire en triple. J'ai également des personnes qui m'ont demandé dans les commentaires quand c'est que j'allais commencer du arc. Alors du arc, je voulais attendre
que JD reboot son serveur et lui demander si je pouvais tourner des vidéos dessus, puisque je vais pas faire ça sans lui demander la permission, c'est comme son serveur. Et du coup, peut-être que je tournerai un ou deux épisodes en solo sur un autre serveur en attendant, juste pour montrer les bases, hein, vraiment le tout début, vu que je vais recommencer au niveau 1. Et que, ouais, au niveau 1, à part la torche ou. Je sais plus ce qu'on a au niveau 1 d'ailleurs. La torche et puis la pioche. Et l'hache aussi, je pense. Vu que ça, bon, je pense que tous ceux qui ont déjà joué, ils savent très bien qu'il faut très peu de choses pour faire ça. Et ouais, je ferai peut-être quelques épisodes comme ça, en attendant de pouvoir demander à JD si je peux tourner sur son serveur ou non. Donc voilà, sinon Fallout 4, pour le moment je suis pas trop décidé d'y jouer, donc vous aurez peut-être pas des épisodes maintenant. Je me suis remis un peu à Farming que j'avais lâché d'ailleurs. Sur la map Les Chazelles, ouais, je la trouve intéressante cette map-là, j'aime bien. On peut faire pas mal de trucs, ça me redonne un peu plus goût à y jouer, on va dire, vu que au bout d'un moment ça commence à me fatiguer de jouer sur Farming. Là, ça me redonne un peu plus l'envie d'y jouer, même s'il y a encore pas mal de travail dessus. Ah, je vais éviter de me prendre le radar pour une fois que je peux être en dessous de la vitesse. Oui, bah avance. Alors je pense que vous tous, ceux qui me suivez, vous suivez également Guigui et Cédriac. Et vous n'étiez pas forcément tous présents sur le live à Cédriac quand il l'a annoncé. Il va sortir une petite série avec Guigui où il va jouer avec ses abonnés. Ou ils vont jouer avec leur abonné plutôt. Il en a parlé dans le live, mais je vais vous redire ça vite fait. Vous allez jouer avec eux sur la map La Ferme Limousine, je crois, la V2. Et du coup, tous les week-ends, ils vont jouer avec vous. Ils vont faire deux épisodes avec chaque personne, je pense. Vous serez 4, 3 ou 4 personnes à chaque fois. Puisque le serveur à Guigui, c'est un 6 places, il me semble. Donc si on compte. Allez, vas-y, double que je puisse aller à gauche, quoi. Trop tard, mais bon, c'est pas grave. Oui, vous serez c'est un 6 places et vous serez donc ben, eux ils seront les deux et vous serez donc 4 ou alors si je suis là vous serez 3 pour par soir. Donc du coup oui, ils feront deux épisodes avec chaque personne. Donc voilà, alors il vous faudra simplement le TeamSpeak. C'est vraiment très simple à télécharger, hein. Vous allez sur Google, vous tapez TeamSpeak télécharger ou TeamSpeak tout court et bon. Ils vont vous le faire télécharger, c'est vraiment très simple à faire. Et également, ils vous donneront le lien du serveur Guigui pour télécharger les mods. Donc du coup, vous avez une semaine pour le faire pour le week-end d'après. C'est largement suffisant. Si vous avez d'autres problèmes, ils seront là pour vous aider. Et si vous avez, enfin, s'ils sont occupés et que vous avez besoin, vous pouvez me demander à moi également pour configurer le test et tout ça. Il y a encore un radar là. Allez, vas-y, j'étais à 91, vas-y, t'abuses quoi, fais chier. Allez, avance toi. Bon, on est presque arrivé, tant mieux. Bientôt autant que je mette mes phares et puis mes essuie-glaces. Hein. Il a rien dans le sac. J'ai hâte de passer les niveaux quand même.
je trouve qu'il fait un beau bruit quand même. Voilà, puisque là, toi, tu vas pas avancer, t'as bien fait. Enfoiré. Oula, oula, oula. C'est bon. Bon, je vais essayer de vous faire la même manœuvre que dans le premier épisode. Ça, c'est pas gagné. Parce que déjà, arriver à faire ce que j'ai fait la première fois, je sais pas comment je me suis débrouillé. Eh ben dis donc, deux fois un coup de chance. Impeccable. Bon, eh bien sur ce, je pense qu'on va se laisser là. On arrive à un quart d'heure, 20 minutes peut-être de vidéo, j'ai pas regardé. La prochaine fois, on verra si on fait un multi avec les autres, je sais pas du tout. On prévoit jamais, on fait ça quand on a envie, enfin voilà. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!